Bonsoir à vous tous. Voilà, nous nous retrouvons encore avec l'homme Connais-toi toi-même. Nous avons parlé la dernière fois de deux natures qui sont en nous composées de matières différentes. Que l'homme travaille sans cesse cette matière sur chaque plan. Il travaille au niveau physique cette matière qui commence par les solides et termine par un plan éthérique qui est une matière très subtile mais qui appartient encore au niveau physique. Nous avons parlé que sur le plan sentimental, nos sentiments aussi peuvent varier et leur luminosité, symboliquement exprimée par l'astre, leur luminosité se présente comme le corps astral, comme quelque chose qui nous compose mais qui n'est pas peut-être encore terminé. Et ensuite, nous avons dit que sur le plan mental aussi, nous travaillons cette matière différente. Sur le plan bouddhique, cette matière différente. Et sur le plan atmique, cette matière différente. Ainsi, l'homme sans cesse, sans être conscient évidemment, travaille beaucoup de matière, touche beaucoup, mais comme notre conscience est encore à l'état enfantin, nous ne en sommes pas conscients. Et présentement, la conscience humaine va s'éveiller, et c'est à cause de cela que nous allons nous approcher de notre intérieur, nous allons apprendre de quoi nous sommes composés, comment nous sommes faits, etc. Si on prend un enfant et un homme adulte qui connaît un peu la structure humaine, même au niveau physique, imaginez que c'est un médecin ou un scientifique ou quelqu'un qui connaît l'anatomie, il va connaître le système nerveux, le système circulatoire, respiratoire, chaque organe, le fonctionnement, la faculté, les possibilités de tout ce qui existe dans le corps humain, de chaque tissu, même de chaque cellule. Tandis qu'un enfant qui est aussi dans ce monde, mais qui n'a rien encore appris, il n'est pas du tout conscient de ce qu'est-ce que représente le corps humain. Alors, il s'agit de même pour un initié qui est un adulte au niveau cosmique, un initié connaît la structure humaine au complet, tandis qu'un être humain dont la conscience est enfantine, il lui échappe tout, il n'est conscient de rien et il ne connaît rien. Alors, le fait que nous ne connaissons pas quelque chose ne signifie pas que ça n'existe pas. Comme même pour les choses très évidentes comme l'air. Si un enfant nous demande de lui montrer comment il est l'air, eh bien nous serons incapables. Et pourtant, il ne s'agit que de se boucher le nez et la bouche. Et voilà, nous allons nous rendre compte que l'air existe. Même si nous ne voyons pas pour l'instant la pensée, même si nous ne sommes pas au courant comment les sentiments marchent, même si nous n'avons aucune idée comment d'autres particules beaucoup plus subtiles et lumineuses nous composent, même si nous n'avons aucune idée de tout cela, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est que nous ne le connaissons pas seulement. Et à travers l'idée abstraite dont on a parlé la dernière fois, à travers tout ce qui existe comme sémence dans l'univers, comme une idée germe, à travers ce plan de l'idée abstraite, tout est présenté dans l'univers par des symboles. Et quelqu'un qui veut vraiment apprendre un langage universel, il sera obligé d'aller dans cette école divine qui se trouve sur le même plan que nous. Seulement, il faut posséder une autre vitesse pour y accéder. C'est comme si on avait un radio. Et cette radio peut capter les postes différentes. Alors, quelqu'un a une radio qui peut capter tous les postes, tandis que d'autres, c'est deux ou trois postes. Alors, nous, dans notre corps humain,
Il y a certains qui peuvent capter seulement le plan physique, il y a d'autres qui voient sur le plan astral, il y a d'autres qui voient davantage sur le plan mental, il y a d'autres qui voient sur le plan causal et même plus haut. Alors, c'est que nos postes de radio sont ajustés, sont connectés aux stations différentes, d'où on peut capter toute la connaissance et toute la sagesse divine. Quelquefois, les gens posent des questions, mais où est-ce que vous avez appris tout ça? Ou d'où est-ce que vous puisez tout ça? Alors, l'exemple avec la radio peut nous expliquer un peu comment on peut apprendre, comment on peut toucher la vraie connaissance qui est là, qui est perceptible, mais c'est à nous de s'ajuster, de se mettre au diapason, là où il vibre. Il existe dans l'univers cette rapidité, cette vitesse à laquelle on peut se brancher et où tout, absolument tout est enregistré. Un jour, quand nous parlerons des mains et des gestes, vous verrez qu'il n'existe rien dans l'univers qui n'est pas enregistré, que le moindre geste, le moindre sentiment et la moindre pensée, tout est enregistré. Et cet endroit, endroit, en réalité, il ne s'agit pas d'endroit, mais il s'agit des vibrations de degrés différents qui captent tout et qui enregistrent tout. Mais on va l'appeler endroit si on veut. Alors cet endroit où tout est enregistré s'appelle la mémoire de la nature ou autrement les annales akashiques ou les archives akashiques. Et c'est de cette station, si vous voulez, de radio, c'est de là qu'on est capable, si on est branché, tout capter, tout voir, et c'est de cette façon que l'humanité apprendra à voir son passé, voir son année à venir et voir tout ce qu'il lui faudra. La moindre réponse que nous cherchons, elle s'y trouve et elle nous attend. Et nous la recevons dès que nous sommes prêts. Si on n'est pas prêt, eh bien, on ne reçoit rien parce que notre poste de radio n'est pas prête pour capter. Tandis que dès que nous sommes au point, alors tout nous vient. Et justement, à l'époque présente, l'humanité va s'approcher, elle va même apprendre comment se brancher, comment s'ajuster, comment se connecter à toutes ces postes, ces stations magnifiques qui nous entourent, mais dont on n'a rien connu, entendu, su dans le passé, parce que nos appareils n'étaient pas au point. Alors, sur le plan physique, nous avons un corps, nous avons même deux corps, on peut le dire deux corps, un double éthérique. Sur le plan astral, nous en avons un autre, au sentimental, sur le plan mental encore, sur le plan bouddhique et atmique. Et ici, nous sommes composés de plusieurs corps. Nous sommes composés de plusieurs parties qui nous composent, avec lesquelles nous travaillons sans cesse. Pour nous donner une image symbolique, imaginez un arbre. Et cet arbre, sur cet arbre, vous le savez qu'il y a aussi des parties différentes. Il y a les racines qui représentent le plan physique. Il y a le tronc qui représente le plan astral. Il y a les branches qui représentent le plan mental. Il y a les fleurs, les feuilles d'abord qui représentent le plan causal. Il y a les fleurs qui représentent le plan bouddhique. Et il y a les fruits qui représentent le plan atmique. Alors voyez tout ce qu'on a énuméré sur un homme. Se trouve en même temps sur un arbre, car l'homme est un arbre renversé. Nos racines se trouvent au ciel. Symboliquement, ces racines sont présentées par les cheveux. Et justement, chacun de nos cheveux, c'est une antenne. Et on va même apprendre dans l'avenir une manipulation, un comportement spécial avec les cheveux, car les cheveux, c'est très précieux. Ce sont nos antennes, ce sont nos racines qui nous lient
au plan cosmique qui nous lie au plan d'en haut. Si nous regardons par les catégories d'hommes sur la Terre, à travers cet arbre, nous allons apprendre, nous allons voir que les racines ou le plan physique représentent l'homme brut. L'homme brut qui n'a rien cultivé, l'homme brut qui n'a rien travaillé, qui ne possède pas encore des qualités, qui travaille les solides. Il peut penser, évidemment, mais c'est une pensée brute. Il peut sentir, mais c'est un sentiment très grossier. C'est un sentiment destructeur, c'est un sentiment noir, si on veut, comme le sol, comme la terre où se trouvent les racines. Il ne voit encore aucune lumière, comme les racines ne perçoivent pas la lumière directement. Alors le plan physique, où les racines de l'arbre représentent l'homme brut. Et seul Dieu sait combien il y en a encore sur la terre. Au niveau du tronc, sur votre image, c'est marqué par des couleurs, mais peut-être c'est moins perceptible, alors je vais le mentionner. La couleur donc noire, avec le plan physique, représente l'homme brut. La couleur brune, le tronc, représente l'homme ordinaire. Il y a déjà une circulation, il y a une musique, il y a une vie, il y a la sève qui circule, il est déjà extériorisé, mais il profite lui-même de tout, c'est pas encore donné aux autres, tout est caché pour lui, tout est encore personnel. Alors pour l'homme ordinaire, tout se passe en lui et pour lui, évidemment qu'il s'extériorise, mais même s'il s'extériorise, tout est toujours dirigé par ses désirs et ses pensées personnelles. Il est un peu comme un tronc, il n'est pas très flexible, il n'accepte pas bien tout ce qui l'entoure, l'écorce est assez épaisse, alors l'homme ordinaire est présenté sur l'arbre par le tronc. Ensuite, il y a les branches. Les branches, vous le savez que symboliquement, elles portent, elles sont les porteuses déjà des feuilles, des fleurs, des fruits. Alors, c'est déjà l'homme qui commence à servir. C'est l'homme de talent qui offre son talent aux autres, qui se donne. Ce n'est pas encore un homme qui peut se sacrifier, mais au moins, il découvre déjà certaines richesses intérieures, il a déjà certains talents qu'il offre aux autres. Et c'est marqué par le bleu. Alors les branches, ça représente l'homme de talent. Mais au-dessus de l'homme de talent, il y a génie. Et c'est présenté par les feuilles. Symboliquement, les feuilles, ça représente la vie. Les feuilles représentent la vie. Alors imaginez un génie qui apporte une pensée, qui apporte une vie dans la vie terrestre, dans la vie planétaire. C'est les génies qui représentent les feuilles. Ça veut dire qu'ils sont ceux qui apportent la vie. Parce que c'est grâce au feuillage vert que notre atmosphère se régénère, qu'elle se purifie. Alors il y a toute une circulation qui se fait entre le soleil et la terre à travers l'atmosphère et les feuilles. Donc pour les génies c'est la même chose. Il y a toute une circulation qui se fait entre le ciel et la terre et l'intermédiaire c'est le génie qui apporte à la terre, à la planète des idées qui la nourrissent, qui a l'oxygène, qui la vitalise pour des siècles et des siècles. Vous prenez Kepler. Tous ses calculs, tout ce qu'il a découvert à travers les astres, à travers les planètes, ça sert jusqu'aujourd'hui et ça va encore servir pendant des siècles. Alors il était une feuille sur l'arbre de la vie terrestre, si on veut symboliquement, mais il représente la vie. Les génies, c'est le plan causal, c'est ce justement qu'on a mentionné la semaine passée, qui puise dans le grenier cosmique les pensées,
valable pour toujours les idées germes, les semences au nord qui ne se rouillent pas, qui ne subissent pas les influences du temps, mais qui sont toujours valables et toujours durables. Encore plus haut, au-dessus des génies, il y a le plan bouddhique qui est présenté sur l'arbre par des fleurs. Évidemment, les fleurs sont moins durables que les feuilles. Vous le savez que les feuilles durent toute une saison, ou même deux, on peut dire, ou même trois, quelquefois. Tandis que les fleurs, c'est juste un moment au printemps, et ensuite, ça s'en va. Donc, c'est une matière encore plus subtile. Vous prenez des racines, c'est difficile de déraciner quelque chose. Quand c'est ancré vraiment dans les racines, c'est durable. Le tronc, on peut le couper. Et si nous regardons à l'automne, c'est les racines, le tronc et les branches qui restent. Tandis que le feuillage, les fleurs, ça s'en va encore plus rapidement. Et les fruits, c'est encore plus rapidement, juste le moment de les cueillir. Le moment où le fruit est mûr, c'est un moment qui dure encore moins que le moment de floraison. Alors, au niveau subtil, voyez, les feuilles, les fleurs et les fruits, ça représente le côté divin de l'arbre. Ça veut dire ceux qui passent par des cycles beaucoup plus rapides. Pourquoi? Parce que c'est à travers le fruit et la fleur, mais surtout le fruit, que l'arbre représente sa qualité. Vous savez qu'il y a des arbres qui ne donnent pas de fruits, comme il y a des hommes qui ne donnent pas de fruits. Il y a des arbres qui donnent des fruits très âpres, qui donnent des fruits presque incomestibles. Tandis qu'il y a d'autres arbres qui donnent des fruits tellement succulents, tellement extraordinaires, qu'à travers un arbre tout au complet, on peut nous classifier, on peut nous placer, on peut nous retrouver. Mais en même temps, à travers les parties d'un arbre, nous allons trouver les différentes catégories des hommes, de l'humanité. Alors, vous prenez par exemple un prunier, ça s'appelle un prunier. Des prunes ne sont pas tellement sucrées, il y a un peu d'acidité, c'est un peu âpre, où il y a certains pommiers qui sont très très même amers. Alors, c'est que la qualité de ces arbres n'est pas vraiment très très élevée. Mais si vous prenez par exemple un dattier, comment se fait-il, on n'a pas fini encore s'il vous plaît avec ça. Si vous prenez un dattier, alors il pousse dans les conditions inimaginables, extrêmement dures, mais le fruit est tellement succulent, tellement sucré, et on peut se demander où est-ce qu'il a puisé tout ce sucre et toute cette matière qui est tellement mielleuse, tellement délicieuse, et il a poussé dans des conditions très difficiles, tandis qu'un arbre qui va être arrosé, qui va être entouré de fleurs, qui va être tout bien placé, il ne donne pas des fruits valables. Alors, c'est à se poser aussi la question que peut-être l'homme aussi, quand il est placé dans les conditions difficiles, c'est là qu'il va chercher en lui-même toutes les forces, toutes les richesses, et voilà, il va donner des fruits succulents, ça veut dire des qualités, des idées, quelque chose de génial qui va durer, qui va être valable pour des siècles. Alors, à travers les fleurs s'expriment les saints. Les saints correspondent aux fleurs et au plan bouddhique sur l'arbre. Vous le voyez en rouge sur votre arbre, sur l'image. Et les saints utilisent une matière qui est encore supérieure au génie, à celle des génies, car les génies captent, les génies puisent dans la pensée abstraite, dans le plan causal. Tandis que les saints, ils travaillent avec une matière qui compose l'amour pur et la raison pure.
Et la raison pure, elle est au-dessus de ce grenier, il est au-dessus de la sémence cosmique, car cette raison pure, elle nourrit la pensée. Même si cette pensée est abstraite, même si c'est une pensée sémence, ce plan de la raison et de l'amour pur, il nourrit tout. Il est la source. Alors, les saints sont présentés par les fleurs, et vous savez très bien comment les fleurs répandent leur parfum. Qu'en réalité, il ne s'agit pas seulement de la fleur qui reste sur place, mais ce qu'elle dégage, ce qui se répand, ça c'est beaucoup plus perceptible peut-être que la fleur même. Vous pouvez fermer les yeux et de ne pas voir la fleur, mais vous la sentez. Et ce parfum se répand partout, et avec le vent, le parfum se répand vraiment partout. Et même plus tard, nous allons parler que chaque pays, c'est un arbre aussi. Et ce qu'un peuple produit, ce qu'un peuple crée, ça représente la fleur du peuple, la fleur d'un pays, et ça se répand partout sur la terre comme le parfum. Et chaque pays a son parfum. Et chaque pays a sa sainteté, puisque ça correspond au saint. Alors, la sainteté, le saint, c'est la pureté. Et c'est par la pureté et grâce à la pureté que cette raison pure et l'amour pur, qui sont une lumière pure, même pas condensée en sémence, c'est encore avant que la sémence se forme, c'est cette raison pure et cet amour pur qui circule à travers le parfum. Et nous en parlerons un jour combien de significations le parfum possède. Il a beaucoup de significations, mais on va choisir juste un peu. Alors, c'est à travers le parfum que la pureté, la sainteté, si vous voulez, se répand. Je suis russe et je peux vous parler de votre pays parce que je peux le comparer avec les autres. Et le Canada, c'est un pays béni. Et ce n'est pas par hasard que vous avez, surtout au Québec, tellement de noms, de villages, de rues, de localités où la première partie est composée justement de ce nom saint. C'est lié évidemment au passé, c'est lié aux hommes, aux femmes qui ont travaillé avec cette matière bouddhique. Et comme je vous ai déjà dit que tout laisse des traces, évidemment que ça a laissé aussi des traces. Et cette pureté, cet amour que ces hommes ont travaillé dans le passé, peut-être ils ont sémé quelque chose qui va éclore bientôt. Et je ne me rappelle plus si je vous ai mentionné que sur ce pays, présentement, se croisent des influences les plus bénéfiques du cercle zodiacal. Alors, à travers ce travail que les saints ont fait dans le passé, parce que si on les a canonisés, si on les a considérés qu'ils sont saints, c'est qu'ils ont accompli une œuvre. Ils ont accompli une œuvre qui est valable, qui est durable, qui est là, même si physiquement elle n'est pas visible peut-être présentement, mais elle est visible comme parfum. Elle est sensible. Elle est sensible parce qu'ils étaient la fleur de ce pays. Et ils ont préparé peut-être un avenir extraordinaire pour ce pays. Nous en parlerons plus tard aussi. Je vous ai déjà dit, je crois, que c'est le seul pays au monde qui est le pays grand, qui est le pays jeune et qui est le pays puissant, qui est aimé partout et qui est un pays pacifique. Ce sont des grâces dont la portée est vraiment planétaire, mais si on reste ici, si on ne se voit pas de l'extérieur, on n'est pas conscient de cela. Et je vous assure, quand j'entends quelqu'un qui se plaint dans ce pays,
Je suis choquée. Je me dis comment il peut se plaindre ou être mécontent dans un pays béni, dans un pays qui est extraordinaire et qui dans l'avenir va devenir le pays le plus spirituel au monde. Je ne vais pas entrer dans les détails où il faut les envoyer, mais je ne serais pas étonnée s'ils s'incarnent en Russie, car là, ils apprendront d'être contents et d'aimer, et surtout de respecter cette sainteté, cet amour qui est déjà planté, qui est déjà sémé dans ce pays, et qu'il faut l'entretenir, et qu'il faut l'arroser, et qu'il faut le faire fleurir pour donner le parfum au monde entier. Alors, la sainteté est présentée par les fleurs, mais ce n'est pas encore tout. Au-dessus des saints, même s'ils travaillent avec une matière de l'amour pur, il y a encore celui qui entretient, celui qui envoie la source, qui forme la semence, qui sème et qui garde l'univers entier, qui représente le fruit de l'univers et l'arbre complet. C'est l'auteur de l'univers, c'est le créateur de l'univers, si vous voulez, c'est l'esprit de tout qui nourrit tout. Alors, le plan de l'esprit, le plan du créateur, le plan de la lumière éternelle est représenté par le plan atmique, qui est justement le plan de l'esprit, et c'est les initiés et les maîtres, c'est marqué sur vos images en couleur or, mais je ne sais pas à quel point il est perceptible. Alors le côté le plus supérieur qui est en nous, le côté le plus supérieur qui nous compose, la matière la plus subtile, c'est l'esprit même qui s'incarne, qui travaille, qui œuvre à travers la matière, et dans les catégories des humains, ce côté divin est présenté par les initiés et par les maîtres. Qu'est-ce que ça veut dire un initié? Un initié, c'est celui qui touche le cœur de tout, qui connaît la vérité, qui est conscient de ces vérités et qui les vit. On en parlera bientôt de toutes ces catégories. On parlera des initiés, des maîtres, des disciples, et nous allons les énumérer encore une fois et nous allons voir quelle est la différence entre eux. Alors, l'arbre représente l'homme, l'être humain, et vous le voyez que le fruit, c'est le résumé de tout, c'est la qualité acquise, et parmi les humains, c'est justement les initiés et les maîtres, mais vous pouvez juste imaginer Jésus, qui était un fruit des humains. Imaginez tout ce qu'il nous a laissé, imaginez tout ce qu'il nous a transmis. Évidemment qu'il était plus qu'un saint, il était en même temps un saint. Mais un saint ne possède pas nécessairement une connaissance initiatique. Il travaille beaucoup avec l'amour, il travaille par une intuition, par un raisonnement intuitif, mais ce raisonnement n'est pas toujours conscient. Tandis qu'un initié, il travaille avec l'amour, mais en même temps, la sagesse, il la possède. Il l'acquiert à travers les expériences aussi, mais il a l'accès à la connaissance initiatique, à une science ésotérique à travers laquelle il peut travailler sur les humains, sur la planète et aussi participer à un travail universel. Et nous avons déjà dit que symboliquement, mais aussi littéralement, nos sept corps, on ne travaille pas encore sur les plans supérieurs. Notre matière atmique n'est pas développée. Nous travaillons à peine avec la matière bouddhique. Seulement, quand nous exprimons l'amour le plus élevé, le plus sublime, comme un saint, alors imaginez que cette petite partie de sainteté qui existe en nous, c'est elle qui exprime le plan bouddhique.
C'est là que nous travaillons une matière très subtile, très durable, une matière éternelle. Mais comme nous le faisons très très rarement, comme nous ne sommes pas encore rendus à la sainteté, alors nous travaillons présentement les matières beaucoup plus solides. Même notre génie, il dort en nous, notre génie. Nous parlerons un jour qu'est-ce que c'est que le génie et que dans chaque être humain, il y a une puissance qui s'appelle génie. Mais ce génie dort et voilà, nos pensées géniales ne sont pas encore utilisées, ne sont utilisées nulle part et par personne. Nous travaillons présentement sur trois plans inférieurs. C'est le plan physique, le plan astral, sentimental et mental. Nous allons très 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 rarement dans le plan causal, dans le grenier cosmique, pour puiser des pensées divines. Vous allez dire pourquoi? Eh bien, moi, je dirais qu'à cause de la paresse. Parce que apparemment, les initiés nous disent que le plus grand péché des humains, c'est la paresse. C'est qu'on s'habitue, on s'habitue, on s'habitue, et puis on ne fait rien. Il y avait une fois un ange. Et cet ange a désiré beaucoup vivre un peu comme sur la terre. Il disait toujours à ses amis, oh, j'aimerais tellement passer par des expériences sur la terre. Alors, ils lui disent, bon, si tu insistes, choisis un corps et vas-y, incarne-toi sur la terre. Alors, il a choisi pendant un certain temps. Et puis il annonce, bon, j'ai choisi le corps d'un cochon. Alors là, je vais vraiment connaître comment c'est sur la terre. Et puis il s'incarne dans un cochon. Et il commence à explorer les environnements, bien, tout ce qui était autour, les mares, les bars, tout ce qui l'entourait. Et puis il se frottait un peu partout, il se roulait dans la boue. Et puis il trouvait ça de plus en plus extraordinaire, surtout quand la boue séchait au soleil. Il était tellement bien, il était tellement bien. Et puis avec le temps, il s'est trouvé une amie. Ça s'appelle comment en français? Une cochonne? Une truie? Alors il s'est trouvé une amie, puis là, ça a été encore mieux. Alors tandis qu'en haut, il y avait le travail très important qui l'attendait. Mais ses amis lui envoyaient toutes sortes de messages. Il n'y avait pas de moyen de lui faire comprendre qu'il est attendu en haut. Surtout depuis qu'il s'est marié, il était tellement bien sur la terre, dans la boue, qu'il ne voulait plus aller. Et puis, bien, ils se sont dit, il faut quand même le pousser à revenir parce que son travail va tarder et puis ça va retarder tout le monde. Et avec sa femme, ils ont eu une douzaine de petits quoi, cochonnets, pourceaux, pourceaux. Alors, et puis voilà, la famille fleurissait et c'était merveilleux. Mais comme le travail au ciel l'attendait, alors ses amis ont commencé à lui envoyer des messagers et des messagers. Et puis finalement, il dit, oh, il dit. J'ai presque oublié comment c'est en haut. Je suis tellement bien ici. Et puis il envoie un autre messager et un autre messager. Et après une vingtaine de messagers, il a dit, bon, d'accord, je vais quitter la terre et puis je vais vous rejoindre. Et quand il est arrivé au ciel, et quand il a regardé la terre et comment vivaient les cochons, il a dit, comment se fait-il que vous m'avez laissé si longtemps dans la boue? Il disait, on t'envoyait toutes sortes de messagers, on n'arrivait pas à te rendre conscient que c'est dans la boue, que c'est au ralenti et qu'il y a le travail très important qui t'attend là. Alors, si on s'étudie un peu plus, peut-être nous nous trouvons un peu dans la situation semblable. C'est que nous ne sommes pas conscients du tout comment nous vivons, dans quoi nous vivons, quelle est notre conscience. Mais si on se voyait un peu différemment, nous serons étonnés que nous, les êtres d'une famille royale, divine, que nous nous trouvons présentement dans une situation pareille, dans toute cette pollution, dans toute ce désordre d'aujourd'hui,
et pourquoi on est arrivé là. Vous allez demander pourquoi on est arrivé jusque-là. Peut-être chez les cochons, il y a quelque chose qui ressemble à notre paresse. Il aime bien rester au soleil, de ne rien faire, puis même si la boue sèche sur eux, ça ne les dérange pas. Alors avec le temps, d'ailleurs on n'en parlera que les qualités et les défauts des animaux ont une correspondance exacte en nous. Et qu'il y a en nous aussi des petits animaux, il y a des lions, il y a des cochons, il y a des lapins. Et chaque peur, chaque fois que nous avons peur, nous sommes un lapin. Et chaque fois que nous avons le courage, nous sommes un lion. Et chaque fois que nous avons l'audace, nous sommes un tigre. Et chaque fois que nous représentons la force, que nous agissons avec force, nous sommes un ours. Et chaque fois que nous sommes prêts à endurer les difficultés, nous sommes un chameau. Et il y a beaucoup, beaucoup d'autres animaux en nous, mais on s'arrête seulement sur les cochons aujourd'hui parce que les impuretés sont représentées par les cochons. Les cochons en nous, c'est les impuretés. Et qu'est-ce que bloque une roue pour bien rouler? C'est les impuretés. C'est quand la boue se sèche autour, quand la roue est dans la boue, eh bien, elle va au ralenti. Ça veut dire, à travers tout ce ralentissement, c'est un genre de paresse qui est là. Et voilà, nous parlerons bientôt comment, tout au long de la colonne vertébrale, chez nous, en nous, il y a des roues que la science initiatique connaît, que la philosophie hindoue connaît, que dans le passé on a connu ces roues qui sont les centrales d'énergie. Et nos roues marchent très au ralenti, avec une lenteur inimaginable. Et quel est l'empêchement pour la vitesse? C'est les impuretés. Exactement comme pour une roue qui marche, ne peut pas marcher dans la boue, comme pour le cochon qui est tout entouré de toutes ces impuretés. Alors, le travail le plus urgent pour nous, pour devenir l'homme, pour devenir l'homme fleur, pour devenir l'homme fruit, ça veut dire génie, saint. Saint ne doit pas nécessairement avec un titre reconnu officiellement quelque part, mais pur. Atteindre cette pureté, donner un parfum à la planète, au système solaire, à la galaxie, à l'univers entier, et même devenir un fruit sur cet arbre de vie, eh bien, c'est qu'il faudrait se mettre au travail. Pas au travail dur, mais au travail qui est joie, au travail qui exprime l'âme et qui va nous amener vers le monde et vers les réalisations absolument inconnues. Alors, de quoi nous devons sortir aujourd'hui? C'est de la paresse. Et vous êtes sûrement aperçu qu'il y a aujourd'hui des poussées, des courants, des vagues qui nous amènent, même par force quelquefois, à se poser des questions. Et puis, on nous frappe de l'autre côté, et puis la question revient. Et puis, on reçoit quelque chose d'en arrière. On se repose la question jusqu'à ce qu'on trouve la réponse. Il y a une vague de spiritualité, il y a une vague de végétarisme, il y a une vague de pensée positive, il y a une vague de méditation, il y a une vague, oh, il y a beaucoup de vagues, et à travers toutes ces vagues nouvelles qui apportent quelque chose de nouveau, l'homme commence à chercher et sortir de sa paresse. Imaginez un arbre paresseux, une semence paresseuse qui va se dire, eh bien, maintenant j'arrête de pousser et c'est fini. Ou imaginez un cœur paresseux, qu'est-ce que ça pourrait donner si le cœur va dire, bien, écoutez, j'arrête maintenant pour 2 jours. Il va dire, je me mets en grève. Eh bien, ça n'existe pas dans la nature. Ni les grèves, ni le chômage, nulle part dans la nature, ça n'existe pas.
car la nature élimine tout ce qui ne bat pas à son rythme, qui ne va pas avec son rythme. Alors l'humanité, comme elle a tellement resté dans la paresse, elle a tellement ralenti son rythme naturel que présentement, non seulement la boue s'est séchée sur elle, mais elle est en train de pourrir, elle est en train de moisir, et nous serons les témoins qu'il y a quand même une petite partie de l'humanité qui va donner le parfum, qui va apporter les fruits. Mais la plupart des humains ont resté si longtemps dans la paresse que l'humanité sera perdue. Elle va périr, elle va s'exterminer elle-même. Si vous parlez avec un spécialiste des armes atomiques, il va vous dire que la couche terrestre, la croûte terrestre, a la difficulté de tenir sur ses épaules le poids, la charge de tout ce que l'homme, avec sa dignité, avec sa pensée créatrice et avec tout ce qu'il a pu créer pour vivre, il a produit pour détruire et pour mourir. Et que la terre même, comme matière, a la difficulté de soutenir et de tenir ce poids que l'homme, par ses propres moyens, par ses mains, a produit. Ça, c'est un aspect matériel, physique, que c'est lourd pour la terre, que ça empêche certains courants, que ça empêche certaines puissances de la terre sortir et nous nourrir, nous vitaliser, parce que ces armements, comme la pensée qui est émise dedans, elle est destructrice. Vous le savez que chaque objet a son champ vibratoire. Et ce champ vibratoire, comme d'ailleurs ici sur l'image, on en a parlé que l'homme, dans son résumé, tous ses sentiments, toutes ses pensées, ses actes saines ou malsaines, sont présentés par les couleurs. Et ses émanations, qui possèdent un côté magnétique, et un côté électrique, au niveau astral c'est magnétique, et au niveau mental c'est électrique. Ça irradie, ça fait des rayons, ça émane, ça projette, tandis qu'au niveau astral, ce sont les ondes rondes, ce sont les cercles. Alors exactement comme l'homme a son résumé autour de lui, et nous nous promenons avec ce résumé. Et imaginez un homme qui haït, qu'est-ce qu'il projette, et comment il détruit, même s'il ne fait aucun geste, même s'il n'a jamais produit une arme, seulement par ses radiations électriques, destructrices, destructives, il projette des flèches, il projette des armes, et partout où il passe, même l'herbe ne poussera pas. Alors, comme pour un homme qui a son aura, qui a son champ vibratoire, qui exprime son côté positif, vital, bon, bénéfique, chaque objet, même un objet métallique, même un objet qui nous paraît qui n'a pas de vie, une pierre, un métal, un objet, il a son champ vibratoire. Et à travers ce champ vibratoire s'exprime une vie. Alors imaginez maintenant les armements que les humains ont produits, le champ vibratoire de ces armes est tellement destructive que l'harmonie du système solaire est en jeu, parce que ce champ vibratoire a des oscillations, ça s'appelle comme ça, produit des oscillations, et ces oscillations débalancent certains courants vitaux, certaines énergies qui doivent nourrir les arbres, les oiseaux, la nature, etc. Ces oscillations sont nocives à cause de la pensée destructive qui a été inculquée, imprimée dans ces armes. Alors nous parlons de l'homme,
Nous parlons d'une dignité de l'homme. Nous parlons d'un homme comme d'un être cosmique qui doit participer au travail interplanétaire. Mais avant d'y arriver, nous allons nous débarrasser de ces impuretés, car ce n'est rien d'autre, tout ce que l'homme a produit et qui débalance ainsi l'ordre cosmique, qui débalance l'harmonie dans le système solaire et même plus loin, ce n'est que des impuretés, c'est la pollution. On l'appelle aujourd'hui la pollution. Alors imaginez que trois quarts de l'humanité ne travaillent que pour polluer la Terre, que pour polluer tout ce qui existe, et les sentiments et la pensée. Alors si nous voulons arriver au nouveau, si nous voulons accéder à une vie durable, l'essentiel pour l'homme, c'est de se débarrasser de ses impuretés, de devenir conscient qu'il est capable de créer, qu'il est capable de produire des merveilles. Jésus, c'était aussi un homme. Les génies, ce sont des hommes. Les saints, ce sont des hommes. Eh bien, pourquoi eux, ils pouvaient arriver à un degré supérieur et nous laisser des merveilles, et pourquoi pas nous? Alors, tout homme de bonne volonté, c'est mieux s'il se décide lui-même de changer et de prendre une direction vers la pureté, vers la créativité et vers la lumière. S'il ne veut pas le faire, certains seront obligés par des circonstances. Ils seront poussés par tous les moyens que le monde invisible va employer. Et même s'ils refusent, eh bien, ils s extermineront par eux-mêmes. Et vous allez voir que nous serons les témoins d'un spectacle extraordinaire qui va se passer sur la Terre. Ce n'est pas pour nous faire peur. C'est pour prendre conscience et d'y participer comme des êtres dignes, comme des êtres qui sont capables de construire, comme des êtres qui sont capables de devenir des flambeaux de l'humanité et non ceux qui empêchent, qui polluent et qui détruisent. Alors, l'homme avec ses corps, l'homme avec ses matières, c'est très beau, c'est vrai. On nous a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu vous habite? Eh bien, même ce corps, qui est un contenant extraordinaire, comme il y a des contenants pour tout, pour les fleurs, on en parle d'ailleurs de cela, il y a des contenants partout, il y a des objets qui contiennent la pensée divine. Eh bien, l'homme, avec son contenant, il est la même chose. Il est un temple, mais c'est un temple plein de fils d'araignée, plein de poussière. Les vitres sont complètement poussiéreuses et fermées. Et c'est à nous de s'y mettre au travail et de nous nettoyer, de nous purifier, de nous amener dans un état plus digne. Et même aujourd'hui, nous sommes une petite créature encore, avec toutes les possibilités divines évidemment en nous, une créature avec une minuscule. Mais nous allons devenir non seulement homme avec majuscule, mais nous allons devenir créateurs. Nous allons participer à un travail cosmique. Nous allons créer dans l'univers, mais évidemment, il faudrait sortir de cette petitesse, de notre petite famille, de notre petit jardin, de notre petite maison, et que même si la terre entière s'écroule, ça ne nous touche pas dès que nous sommes au chaud. Alors les courants, les vagues, tout ce qui vient de nouveau est apporté par le signe du Verseau. Et le Verseau, c'est celui qui vient verser. Mais même s'il verse des diamants, de l'or, la lumière pure et l'amour pur, si nous n'avons pas le contenant pour le tenir, pour le garder, on ne recevra rien. Alors, pour recevoir ce que le Verseau vient nous verser,
pour participer à la vie nouvelle, pour devenir des êtres dignes de la création divine, nous serons obligés de nous préparer. Et encore quelques conférences sur la mort, sur la vie après la mort, sur la préparation des corps avant que l'âme s'incarne, sur la pensée et quelques autres conférences de ce genre général, nous parlerons plus en détail comment nous purifier, comment se préparer à ces événements magnifiques, cosmiques, qui nous attendent et qui sont peut-être déjà tout prêts, comment y participer et être prêt. Alors, l'homme est un arbre. Dans la vie cosmique, pour l'univers, il doit apporter un fruit. Et chacun peut se demander quelle sorte de fruit il travaille, il cultive, et à quel point son fruit est mûr. Mais ça doit être un fruit pour l'humanité. Lisez la vie des saints, lisez la vie des génies, et il y a des exemples extraordinaires à suivre. Si on a la difficulté de trouver cette force créatrice en nous-mêmes, alors on pourrait s'inspirer de ce qui est déjà fait si nous ne trouvons pas une inspiration en nous-mêmes, mais ce qui nous attend est merveilleux. Seulement, il reste cette condition de nous préparer, de nous nettoyer, de nous purifier pour pouvoir accueillir et recevoir ce que le Verseau vient de verser. Jésus nous a dit « Ayez le cœur pur ». Eh bien, justement, il parlait de la même chose. Il disait « Préparez votre contenant pour l'amour », car le cœur, symboliquement, c'est une coupe. Alors, il disait « Préparez votre coupe ou le sang nouveau, le vin nouveau ». D'ailleurs, on a dit aussi « Il ne faut pas verser le vin nouveau dans les vieilles outres ». C'est la même chose. On ne peut pas verser les courants nouveaux de la vie nouvelle et éternelle dans les vieilles outres qui ne sont pas préparées, qui sont pourries, qui ne pourront rien contenir. Alors, un travail merveilleux nous attend dans la joie, si nous le voulons bien, pour devenir un homme digne de son nom et pour devenir un créateur qui va participer dans la vie, à la vie, pour la vie universelle, cosmique. Et ainsi, nous avons vu l'homme avec ce qui le compose, avec tout son aura autour, qui représente son résumé. Alors, comme cet aura est notre résumé, l'homme est le résumé de l'univers. L'homme doit devenir le fruit sur l'arbre universel et nous verrons bientôt un autre arbre qui représente justement la structure cosmique, la structure kabbalistique. Et sur cet arbre, vous allez voir quelle place nous occupons et qu'est-ce que nous devons apporter pour l'univers entier. Alors, par quoi commencer? Par ouvrir notre pensée à la vie plus large, à la vie nouvelle, au nouveau qui s'en vient, car malgré on veut ou on ne veut pas, nous serons obligés d'y participer, de le faire, ou on va rester en arrière sans y participer. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre patience, pour votre participation déjà de cette façon. Nous allons continuer la semaine prochaine. On va voir comment l'homme se libère de son corps physique, comment il meurt et comment il revit.